Président, merci. Concernant le vœu du groupe non à la taxe spéciale d'équipement régional, c'est tout simplement le fait que nous prenions ensemble position contre cette proposition du gouvernement, proposition en fait que certains d'entre nous ont rejetée clairement et immédiatement, et proposition en fait du gouvernement que l'on trouve complètement déplacée, un, par rapport, je dirais, à ce que nos concitoyens ressentent et qui ne cesse de nous dire en fait que trop d'impôts tuent l'impôt et que, au demeurant, cette taxe est un jeu de magicien en fait de la part d'un gouvernement qui finalement veut répondre aux sollicitations des régions pour justifier des transferts de compétences et justifier une manière pour les régions de trouver des moyens nouveaux pour financer ces transferts, mais je dirais des moyens nouveaux qui se trouvent dans la poche du contribuable, dans la poche des chefs d'entreprise, des entreprises et de l'économie de nos régions. Donc nous souhaitons en fait que notre région prenne une position contre cette taxe spéciale qui est proposée. Et concernant la motion, c'est une motion effectivement qui veut simplement, après le vote du 23 juin du Brexit, simplement appuyer l'esprit de coopération que nous souhaitons pouvoir poursuivre avec les Britanniques. Il est évident en fait que l'économie britannique et nos deux régions se côtoient, ont des rapports économiques forts, et que dans un contexte où certains s'interrogent, pensent qu'il est important que notre région réaffirme simplement cet esprit de coopération. Donc c'est le bleu, blanc, rouge que nous souhaitons mettre en avant. Merci pour votre